Oui, effectivement, Madame la Vice-Présidente, il s'agit d'ajouter dans le délibéré que nous demandons à l'État de respecter les engagements qu'il a pris lors du copil du comité de pilotage de septembre 2018, qui visait à lancer des études immédiatement et un calendrier de travaux permettant d'éviter toute suspension de la ligne Grenoble-Gap. Nous sommes là face à une situation un peu particulière puisque tout le monde s'accorde à dire qu'il faut faire des travaux de façon urgente pour éviter que la ligne soit interrompue et que l'exploitation soit interrompue. Le calendrier presse, l'État avait pris des engagements en septembre, il ne les a pas tenus jusqu'à présent et nous devons enfin marquer fortement cette demande, auquel cas nous nous retrouvons avec une ligne fermée juste pour cause d'absence des travaux nécessaires faits. Voilà. Il faut à la fois travailler la question du moyen terme et la question là du court terme qui est tout aussi indispensable.